Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2 avec le royaume de Lotharingie. Enfin, je dis le royaume de Lotharingie, mais plus du tout en fait, puisque on a déjà 4 royaumes. Dans l'ordre, évidemment, c'était le royaume de Lotharingie en premier. Après, on a eu le royaume d'Angleterre, puis le royaume des Pays-Bas. Dernière vidéo, le royaume des Pays de Galles. Et cette vidéo-là, je compte bien obtenir le royaume de France ou le royaume d'Écosse. Le seul souci que je pourrais avoir, ce serait la mort de mon roi, 68 ans, un héritier de 1 an. Ah, pour l'instant, mon roi n'a pas montré de signe de faiblesse, mais en préparant la liste des invités et du banquet, je me suis demandé si je devais inviter un de mes amis. C'est qui mon ami là, duc de Mercia? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Eh ben, il a bien aimé en tout cas que je l'invite. Ouais, mon roi a pas montré de signe de faiblesse, donc j'espère qu'il va tenir encore quelques années parce que sinon je m'en tirerai avec 10-15 ans de régence. Ça n'aura rien d'agréable. Bon, là je suis forcé un petit peu à la paix avec un malus de moins 18 sur la plupart de mes vassaux. Donc je vais faire preuve de patience. Je vais peut-être investir un peu dans mon duché de Normandie. Il est très faiblement équipé. D'ailleurs, j'ai même pas construit les bourgs fortifiés. Ça, c'est un peu bête. Ça rapporte de l'argent. Ah si, je les ai construits. Il y a certains endroits où j'ai pas le niveau technologique. Ah mais quand même, c'est vrai que j'ai oublié de faire les bourgs fortifiés. Alors là, il manque muraille du château. Ok, bon, je vais faire attention. Faut que je garde de l'argent en cas de. Je déteste ces infidèles. Écrasez-les et tuez-les tous. Oh là, j'aime pas ça. Pète les plombs quoi, c'est vrai qu'il était possédé donc ouais, des infidèles je vais pas en avoir beaucoup. Cette voix qui m'appelait et qui me disait que j'étais quelqu'un de mauvais, l'incarnation du mal, j'ai réalisé que ce n'était pas n'importe quelle voix mais celle de Jésus-Christ. Oh là 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 là, il pète les plombs. Opinion de l'église moins 30, bon bah voilà, je crois que c'est fini pour l'opinion de l'église. Voilà, moins 18, 86, 85. À la rigueur, si je fais un petit effort, je peux peut-être remonter celui-là. Mais c'est vraiment pas l'idéal, ça. J'espère que il va s'arrêter là. La voix de Jésus, plus 0,5 de plus 0,05 de piété, c'est bien gentil, mais ça me rassure pas. Ah, elle a réussi à améliorer mes relations avec la duchesse de Galice. Alors ça, j'attendais ça. Ça fait au moins 4 fois que j'acquiers la caractéristique zélée. Alors j'attendais ça pour voir est-ce que ça améliore les choses. Pas vraiment, hein. Même je crois que elles sont moins bonnes que tout à l'heure. Ah non, ça doit être pareil, hein. Si je paye, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Non, je crois qu'il faudra faire la guerre. J'aurais pas trop le choix, à mon avis. Alors, Chaplin. À mon avis, j'aurais pas trop le choix pour ce duché. Il appartient au royaume de Galles. En plus, ouais, je fasse ça en deux guerres, c'est un peu pénible. Alors lui, c'est un catholique aussi, peut-être que.
Peut-être qu'il me rejoindrait, lui, en douceur. Ah, il est en guerre. Donc, ça va pas le faire. Qu'est-ce qui se passe là? Comte Esso de Anjou. Donc, lui, je viens de lui donner le comté. Il fait déjà la guerre pour conquérir le duché. Non. Contre. Comte Esso de Anjou versus Duc Esso II de Anjou. Ah, c'est que des Esso là dans l'histoire. Guerre angevine de Duc Rutger. Ça doit être lui, le Duc Rutger, je parie. Non, je comprends pas. Le Duc Rutger, c'est qui? Il parle d'un Duc Rutger 2, mais je vois pas de Duc Rutger 2, moi. C'est pas grave. Ah, ma femme est réenceinte. Décidément, elle insiste. C'est le duc qui se défendait, je crois qu'il fait plus que se défendre, là il va l'écraser en fait. Alors lui il est toujours en guerre. Ah, deux fois il a réussi à améliorer une relation. Donc là on va être à 100. Ouais, on est à 100. Donc j'aurais pas mieux, hein, je crois que je suis à 7. Et on est toujours à moins 9, donc plus 7, moins 9, j'y arriverai pas. On ne pourra pas résoudre ce problème dans la paix. Je crois qu'il faudra se faire la guerre. Alors je vais chercher des technologies. Ah, lui, c'est le dernier qui me déteste. Ça doit être grosso modo le dernier qui m'empêche de changer la règle de couronne d'Angleterre. Non, là j'ai East Anglia aussi qui m'aime pas du tout. Je lui ai annulé des titres. Il continue, hein. Du coup, on va être à beaucoup plus de 100. Si on pouvait monter au-dessus de 100, on y serait. Mais ça ne sert à rien. Donc il faut que je change de place tout de suite. Je vais le mettre sur le duc d'East Anglia. On n'est pas très loin d'être dans le positif. Franchement, il suffit que je le paye. Il suffit que je le paye et qu'il réussisse une fois sa mission et on sera dans le positif. Moi, je vais pas le payer tout de suite, hein. Je vais attendre qu'il réussisse sa mission une fois. Alors, c'est quoi cette histoire là? C'est qui? Ah bah tiens, c'est lui justement. Ah, s'il se révolte, c'est parfait, je lui pique son titre. Ah non, c'est pas le bon. C'est lui qui veut son indépendance. Alors, ça, j'hallucine. En plus, ça se trouve, c'est moi qui lui ai donné déjà son titre de duc. Je me rappelle plus. Ouais, je suis pas sûr. Ah, puis direct, il y va. Hein. Ok, bah c'est la guerre. C'est assez osé. Le tout, ça va être de ramener mes troupes de France. C'est vrai qu'en Angleterre, j'ai pas forcément grand chose. En tout cas, j'en ai pas assez, je pense. Là, le problème, ça va être de se réunir sans se faire massacrer. Ok, ça devrait être bon. Il va falloir que je fasse venir 70 bateaux, ça ira, je pense. Allez, il y en a deux.
Je viens d'avoir presque 90. Ouais. 86, ouais. Et zut, ça c'est super dangereux. Des bandes rebelles et d'opportunistes ont ici la bannière du... Alors il y a une petite erreur de traduction, mais enfin bon, voilà quoi. Il a gagné peut-être 10 ou 15 000 soldats dans l'histoire. Voilà, 34 000 soldats. Ils sont 20 000 à l'avoir rejoint. À mon avis, ils sont 20 000. Voilà, voilà, ça va être un peu chiant. J'ai 31 000 hommes, donc je suis un peu juste. Bon, c'est pas un problème, hein. J'ai de l'argent, mais je voulais économiser pour mon prochain roi. Je vais faire venir ces 6 000 là déjà. Et je vais prendre aussi ces 2 000 là peut-être. Ouais. Alors, je vais faire venir plus de bateaux. Il va falloir qu'on traverse vraiment très vite. Ah, c'est chiant cette rébellion. Ça, c'est le problème quand on a... Ah tiens, j'ai plus d'intendant. Ok. Tiens, je vais améliorer ma cavalerie. Et c'est parti. Bon, du coup, j'espère que toutes mes troupes vont réussir à fuir. Peut-être pas toutes, mais presque, visiblement. Le 25 septembre, il faut 22 jours pour aller de cette province-là à cette province-là. Là, je crois qu'elle va se faire choper. Ouais, bon, c'est pas grave, j'ai 600 hommes là qui vont mourir. Tiens, une fille en plus. Ah non, il a annulé son mouvement. Ah non, d'accord, il m'a pas poursuivi en fait. Pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste complètement séparé. J'ai l'impression qu'il essaye de courir après mes troupes là. Je vais fuir le plus loin possible. Ça va l'occuper. Je crois que je vais même. Je vais faire pire que ça. Je vais bloquer dans mon bateau tranquille. Non, il me poursuit pas, hein, il est juste... Je sais pas ce qu'il fait, bon. Peu importe. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, ils sont séparés. Ok, moi je vais embarquer. Il faudrait que je m'occupe déjà de ces 17 000 là. Pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut, hein. Je commence à monter mes hommes, je vais en avoir 19 000 là. Et ça tombe bien que ça monte parce qu'il arrive. Alors, à la tête de mon armée, ouais, j'ai perdu quelques bons capitaines là, malheureusement. C'est pas grave, on fera 100. Alors, 5 000 hommes en plus. Ok, je pense que là, on va pouvoir tout transférer. Moi, j'ai toujours les bons retardataires, là, du duché de Gan, c'est ça? Ou Gran? Je sais plus. Gran,
grand, je sais pas, grand on va dire. Ok, mes 30 000 hommes sont là. Bientôt 36. Et maintenant il va falloir... Voilà, c'est bon. On va déjà prendre ces 17 000 là. Alors, ma demi-sœur en matrilinéaire. Qui c'est ce type? Je lui ai choisi qui là? Ouais, c'est pas grave. Si j'ai décidé sur le moment que ça valait le coup, c'est que ça doit valoir le coup. Allez, on va se battre à 1 contre 2. On va quand même faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas trop d'obstacles entre nous. Oxford, Leicester. Donc là, ça va pas du tout. On va pas aller à Leicester, on va rester à Northampton. Et on va y aller direct. Il va pas fuir. Ah merde, il va fuir. Mais Warwick, c'est pas l'idéal. Hein. Ah, je vais détruire les 4000 hommes qui sont là, tant pis. Je vais commencer par ça. Ah, il attaque en plus. Quel fou. Il va dépenser des hommes à attaquer. Alors, cette province-là, elle est entourée de rivières partout, je crois. Ah, mais heureusement, il reste pas sur place. Oh là là, Warwick est pas dans la liste. Ouais, non, il y est pas. Donc là, on devrait l'avoir, j'espère. L'Essex. C'est bien ce qui me semblait. Là, il va aller vers l'Essex. Il va falloir que je tienne le choc, mais en prime, j'aurai l'avantage du terrain, il me semble. Ouais. Ouais, tiens, je vais ramener ceux-là en même temps. Là, je vais avoir quelques jours difficiles, mais au moins je commence le combat avec l'avantage du terrain. Ça devrait le faire. Voilà, maintenant c'est fini, la bataille est finie. En plus c'est son armée à lui. Et il mène même pas son armée, il est tranquille chez lui en train de régner. Je vais prendre mes 4000 hommes plus mes 900 et les autres ils vont commencer à bouger. Ma femme est encore enceinte, décidément, elle est tardive mais quand elle s'y met. Ok, bah, je vais continuer à le poursuivre. Hein. Je suis déjà à 24 de score de guerre. Ah, là il va faire. Il va faire rencontrer ces deux armées. Ça me paraît un choix plus logique quand même. Non, non, je vais pas lui donner le titre de duc. Lui, je sais pas combien de fois il m'a demandé ce titre. Ou alors c'est son père. Ouais, ça devait être son père, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Non, quelle cupidité, je te donnerai pas le titre. Ok, j'arrête de poursuivre cette armée et je vais à York pour me battre pour de bon. Et mettre fin à la guerre. Enfin, c'est pas une guerre, c'est une révolte d'ailleurs. Sauf qu'il a pas l'air décidé à bouger. Hein. Alors, ici, il y a une frontière, il y a une rivière entre nous. Ouais, je vais aller là.
va voir, je vais l'attirer, hein. On va voir ce qu'il va faire. Je pense que... Ça se trouve, il va pas voir le piège. Hein. C'est pas trop fin comme piège pourtant, mais bon, on verra ce qu'il va faire. Je sais pas pourquoi il fait ça, ça se trouve c'est pour éviter l'attrition. Pourquoi il bouge sans arrêt là? C'est quoi ça? Parce que quand il fait ça, il a pas d'attrition en plus, c'est ça qui est énervant. Je suis obligé de bouger, j'en ai de l'attrition. Alors, mon fils. Egbert demande, papa, d'où viennent les bébés? Eh bien, travailleur à combien? 30% seulement. Confiance est nulle. Fourbe, c'est pas mal, mais c'est pas trop bien vu. Je vais essayer travailleur, croisons les doigts. J'aurai cynique. C'est raté. Ah, voilà, là, il vient pour de bon. Donc, j'aurai l'avantage du terrain. Par contre, j'ai pas mis ce qu'il fallait. Ok, le 3. Allez, c'est parti. Il faut juste qu'il tienne 10 jours. Ça va le faire. Avec l'avantage du terrain, on va les écraser. Surtout que les troupes, là, les rebelles qui les ont rejoints, sont pas forcément super performantes, ça j'ai déjà remarqué. Alors il fuit un peu dans tous les sens là, j'avoue. Mais sa grosse armée, elle va ici. Non, elle va pas là. Westmoreland. Si, elle va à Westmoreland, c'est ça. Ah non, il va pas là. Il va où là? C'est bizarre, ça dit qu'il va à, il va à Lancaster. Ah, on va se diviser hein, parce que là lui aussi il s'est vraiment divisé. En fait on voyait pas l'armée qui allait vers le nord, mais il y en avait bel et bien une qui allait vers le nord, tant pis. Donc je vais lui écraser ces deux armées. Il va pas se rendre. Hein. Je crois qu'il faudra occuper ses terres. Et avec l'autre armée, je vais reprendre ce qu'il a réussi à prendre. Il va réussir à fuir là. Non. Mon péché est trop grave, je dois me repentir. Moins 50 de prestige, ouais, c'est pas grave, hein. Je suis rendu à 6000 de prestige. Ok, par contre, là, il y a une armée que j'aime pas. C'est celle-là, armée de Galice. Je sais pas ce qu'elle fait chez moi. Ouais, elle essaye de profiter de la guerre interne. Non, je vais y aller avec tout le monde pour l'instant. Elle essayait de profiter de la guerre interne pour me piquer des territoires. Ça se passera pas comme ça. Ok, je pense que son compte est réglé. Ils arrêtent pas de fuir les 84 hommes là, c'est ridicule. C'est où ça? C'est quoi cette histoire? Ah! C'est pas une rébellion de chez moi ça en plus.
Soulèvement de catholiques. C'est pas une rébellion de chez moi, ça. C'est une rébellion du duché de Jutland. Ça fait juste que j'avais 47 hommes sur le chemin. Ah, je peux usurper le titre de roi de France. Est-ce que je le fais tout de suite ou pas? Je peux, hein, je vois rien qui s'y oppose. Ouais, je pense que je peux. Je cours pas de risque spécial. J'ai de l'argent. Ah, ce qui m'inquiète un peu, c'est à quel niveau d'autorité il est rendu. Il en partage sa ligue en plus. Je sais pas si ça va garder le partage sa ligue, je crois pas. Hein. Si ça garde le partage sa ligue. Je suis quasiment sûr. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, j'ai qu'un fils. Ah, du coup, il devient comte. Il va pas trop m'aider. Il va pas trop m'aimer, je crois. Ouais. J'ajoute un titre à ma collection. Et c'est bel et bien en partage sa ligue. Donc ça, c'est pas bon. Mais là, j'ai qu'un fils, donc c'est pas trop grave. Il faudra que je change ça quand même le plus vite possible, bien sûr. Bon, bah, il me manque plus que le titre de roi d'Écosse. Et ce sera bon. Est-ce qu'il est toujours en guerre? Ouais. Enfin, elle est toujours en guerre, d'ailleurs, c'est une reine. Décidément, je gagne de la piété là, ça me sert à rien, mais je suis servi. Ah, je perds la caractéristique zélée. Sauf que je l'ai pas perdu. Ah, j'avais peut-être pas 100% de chance de la perdre, j'ai pas trop lu, j'avoue. Si, je l'ai perdu, c'est bon. Ouh, quel âge mon roi? 71 ans. Mon héritier, 5 ans. Allez, s'il peut vivre jusqu'à au moins 80 ans, je serai content. J'aurai pas trop de régence. Oh, il accepte toujours pas la paix. En plus, là, le chiffre, ça va, il est qu'à moins 1. Ah, j'aime pas ça, voir des gens qui changent de vote comme ça. Ouais, on est à 2-2 là. Hein. C'est chaud. Faudra que je vois ça après, quand cette guerre sera finie. Enfin, on est à 2-2, mais j'ai 3 ducs qui sont révoltés. Et merde, je suis mort. Et me voilà parti pour 10 ans de régence minimum. Ouais. Merde, et je suis en guerre en plus, je déteste ça. Faut absolument que je fasse la paix, la vie. La paix devrait bientôt intervenir. Ah, on est à 98, ils vont pas être... ils vont pas chipoter. Mais... Non, c'est pas grave. Ah, ça me va pas là. 5 ans, c'est. Bon, je peux même pas nommer un successeur au royaume d'Angleterre. Je nomme qui moi comme successeur? Alors, le successeur c'est Humbert Salian pour l'instant. Humbert Salian, ça doit être du coup, c'est mon neveu. Je sais plus où je l'ai casé. J'étais sûr de l'avoir casé là. On va voir ça. Donc ça, c'est mon père. Ça, c'est ma tante. Et lui, c'est mon héritier. Voilà, c'est mon neveu. Et il est descendu. Maintenant, il est baron. D'accord. Il s'est fait un petit peu rétrograder, on va dire. C'est lui que je vais nommer, donc c'est le baron
de Lambardane. Baron de Lambardane, voilà. J'espère qu'il aura des voix. C'est pas gagné, hein. Et Royaume de France, du coup, ça se joue comment, là? Ah, s'il meurt maintenant... Pourquoi c'est elle la première? Ouais, je sens que ça va pas le faire. Alors déjà, on va essayer d'améliorer mes relations avec les ducs. On va commencer par celui-là, par exemple. Duc de York. Il aurait été plus simple qu'il n'ait pas d'enfant, hein, très honnêtement. Alors, on va libérer les prisonniers. Pour les faire payer, hein, je vais avoir besoin d'argent, je crois. Ah, lui, il veut pas payer, quel radin. Bon, ça suffit la guerre, j'en ai marre. J'ai un territoire que je risque de perdre. On verra ça tout à l'heure. Ce que je vais faire, je vais me déplacer ici. Ici. Je peux pas attaquer, il y a trop de monde là. Ah bah bien, il a commencé par réussir sa mission. Bon, ça va me faire passer dans le positif, avec un duc déjà. Le chemin est long. Il fallait bien commencer quelque part. Question élection, j'en suis où là? Ouais, je suis toujours... de troisième, je suis même pas deuxième, je suis troisième. Ok, c'est parti. Donc je renvoie tout le monde. J'ai plus beaucoup d'argent en plus, hein. Bon, par contre, je vais m'en faire beaucoup là de l'argent, je pense. Alors, je vais accélérer un peu le temps. Bilan, je dois avoir pas mal de monde à libérer. À commencer par lui. Bah, je vais pas faire, je vais pas faire le difficile. Hein. Je libère tout le monde sans condition. Que je les fasse payer ou pas, de toute façon, je m'en fous à la rigueur. Je crois que ça change rien. Hein. Ok, il passe à 36, c'est pas trop mal. J'ai un domaine trop grand, il va falloir que je change ça, bien sûr. Alors, le duc de Lancastre, pareil. Il est toujours à moins 100, lui. Hein. Je vais pas le libérer tout de suite. Je vais le laisser mourir en prison. Il a quel âge? 52 ans? Ouais. Elle, c'est pareil, elle a quel âge? 50 ans? Ouais, elle est dans le négatif, hein, largement. Je vais être obligé de donner Évreux à mon cousin, qui m'a de nombreuses fois réclamé le titre de duc. Pour l'instant, il n'en est pas question. Remarque, si je lui donne un titre... Ouais, je vais plutôt choisir un autre noble allemand. Irlandais. Ashkenaz, je veux pas avoir d'allemand. Bon allez, je lui donne. J'ai pas d'argent à dépenser non plus. Je vais lui donner Évreux. Ouais, au moins on repasse en positif. Et il prend le titre principal, je sais pas pourquoi.
Ouais, peu importe. Alors, question argent, je suis pas trop mal. Question opinion du pape, pour l'instant, étant mineur, je crois que je peux pas attendre grand-chose de cette stat. Cour règne, j'ai moins 14 déjà. Je vais plutôt faire de la technologie. Là, je fais déjà de l'argent. Ok. Bon, c'est pas rêvé, hein. La situation est pas rêvée. L'héritier que j'ai sélectionné, il a aucune chance d'être élu pour l'instant. Bon, heureusement, j'ai pas de chance de révolte. Ça se joue à peu dans certains cas, par exemple ici, là. Faut que j'améliore cette situation-là. Un petit titre honorifique. Peut-être que ça lui fera renoncer à la faction. Ah, lui, il a rien, je peux rien faire pour lui. Bah, peut-être lui donner un peu d'argent. Ah non, ça coûte trop cher. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. Ça promet une petite dizaine d'années tendues. Et surtout, ça met un sacré coup d'arrêt à mon expansion. Honnêtement, là, je suis un peu bloqué, je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit. De peur d'avoir des révoltes ou de mourir. Ce genre de petit inconvénient. Ok, il n'y en a aucun qui me rejoint. La France n'existe plus par contre, donc dès que j'aurai récupéré un peu de stabilité. Hein, la Castille est pas trop mal. Dès que j'aurai récupéré un peu de stabilité, j'ai des conquêtes quand même qui s'offrent à moi là. C'est bête que. Ouais, c'est bête que je puisse pas faire grand chose en ce moment. Parce que des territoires à conquérir, j'en ai. J'ai. Alors lui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Défendre Folky de Somerset, deuxième guerre contre la Duc Udo II, Tyrannie, Wessex. Wessex, c'est ici. Et c'est qui ce Hugo II là? Folky de Somerset. Alors je sais pas où c'est le Somerset. Mais j'avoue que c'est lui, je pense. Non. Ah, j'arrive pas à trouver le Somerset. C'est quoi ce pit? Ah, c'est là. Et il défend contre la tyrannie de qui? Ouais, peu importe. C'est pas une guerre où les territoires vont s'échanger, à mon avis. Il y a aussi une guerre ici, et là c'est pourquoi. Ouais, c'est pareil, je pense pas que les territoires vont changer de main dans cette guerre. Bon allez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play avec donc la dynastie des Saliens et le royaume de Lotharingie.